None of us can deny that something is happening all around us. You can't deny that you're seeing people sleeping in the street, that people are coming from all over the world, end up in Paris, and we treat them in a terrible way. They get moved by the police every night. I've been witnessing that like everyone else. And I didn't know what to do. But I believe in small action. I believe that if all of us do tiny actions, impact happens. Well, we created a place in the heart of Paris. It's actually in the crypt of La Madeleine, the famous church. We wanted to create a place that is safe for the people to come in, that is not linked to the states. And what we do there is very simple. Try to change the atmosphere and the context where you would eat and turn it into a cultural place. You eat in the middle of clouds and through at the hands of the chef that are cooking for you. You know, there's so much food that is being wasted every day. So we went and grabbed that food before it gets to the garbage. We get different chefs coming in that come and volunteer every day. Chefs that normally cook in 3-star restaurant and have to invent recipes with the wasted food we gathered for them in the morning. And all this will be served in the refettorio, a meal where we show them respect and dignity. J'ai sorti il y a 2 ans de l'école d'hôtellerie et j'ai travaillé au Phuket, j'ai travaillé à l'hôtel Matignon pour le Premier ministre et j'ai aussi monté une asso pendant mes études sur l'anti-gaspillage. On récupérait les invendus comme on fait là en fait et on faisait des repas gastronomiques avec ça. C'est comme ça qu'en fait l'équipe du réfettorio m'ont contacté et m'ont proposé de devenir chef résident. Je trouve que ça a beaucoup plus de sens de servir des personnes qui sont dans le besoin que des personnes qui ont assez de ressources pour se nourrir elles-mêmes. D'essayer de leur redonner une dignité pour ceux qui sont à la rue parce que c'est des gens en marge de la société. Tant que j'ai le choix, j'essaie de prendre des produits de saison, même des haricots verts. Je vois pas pourquoi celui-là allait être jeté. Ils sont même magnifiques aujourd'hui. C'est des produits que la banque alimentaire a récupérés. Je peux prendre ce que je veux, ouais, tout ce que je veux. Ouais, c'est à disposition des assos et puis ensuite on pèse. On paye un prix dérisoire pour l'organisation, pour quand même qu'ils arrivent à survivre. Je crois que c'est quoi, c'est 15 centimes le kilo ? Ouais. Et donc là, on est à 166 kilos aujourd'hui. Hop là ! Là, on part pour l'église de la Madeleine. On rejoint le chef. Le chef ce soir, c'est Pascal Barbeau. C'est un chef 3 étoiles que j'admire. Je pense que le menu, ça va être assez magique. Je lui présente les produits. Comme ça, lui, il a le temps de faire le menu dans les quelques heures qui restent. Pour qu'on commence à cuisiner à 15h. J.R. m'a parlé de Massimo. Il m'a demandé de monter ce projet avec lui pour pouvoir faire un réfettorio à Paris qui permettait de créer un projet culturel en les faisant dîner dans un cadre magnifique qui est la crypte de la Madeleine où tous les grands chefs français sont venus, Michel Brun, Olivier Rollinger. Ah bah on peut faire des croutons. Ah bah ouais, génial pour la soupe. Avec tous les légumes orange. Carottes, butternut, potiron, la nette avec l'entrée. Et on va tout pré-cuire et tailler les légumes séparément. Et après, on fera le riz sauté à la minute. On peut apporter de la texture dans le dessert. C'est des mélanges hein, ouais. De fruits secs. C'est ça. Donc on va les trier, on va concasser les amandes, on va les mettre au four. Super. On va réhydrater les raisins dans un jus. Le dessert, je le vois très bien, je le sens bien. Donc, on a nos morceaux de melon, ouais. Pastèque. On a nos noix caramélisées. Et on a le crumble. Donc là, 100% des produits, on va les utiliser. Là, on est avec JR. Bon, je t'emmène en cuisine. Allez. Aujourd'hui, c'est magnifique. Du coup, on a 3 chefs. Je sais pas si t'es au courant. Il y a du coup Pascal Barbeau, il y a Massimo Bottura qui arrive tout à l'heure, qui est Alex Atala, un Brésilien. Et ça va être le feu, ça. Ouais. Va être le feu en cuisine. Ouais, je pense que ça va être le feu. Ouais. Ouais, ça va. C'est son ton. This is a map of the first room. So each volunteer has one of two tables, 2 or 3 tables, and then I'm gonna do a circle. That it means that it's ready.
Pour un cuisinier, je pense que consacrer quelques heures pour donner un petit peu de plaisir aux gens, c'est quelque chose de normal. Je pense qu'on a tous autour de soi des gens dans la difficulté. C'est la seule chose qu'on sait faire, cuisiner, donner du plaisir aux gens. Wow, regarde les couleurs! Par contre, faut qu'on les goûte. Donc, avec plaisir, participer à un tel événement. On va s'amuser un peu au cœur du riz, comme ça on va bien le recuire. Ça va être top ça. There's no difference. There's no difference between our three-star Michelin restaurant and cooking here. Because the cooking is an act of love. We just show the world that this is not waste. They are just ordinary ingredients. And using the creativity of the chef. These guys are volunteers. These are the real heroes. We are just here to make visible the invisible. This is a cultural project. It's not a charity project. 4 minutes and the service starts. And we open the doors. 5 minutes. Je suis venu une fois en tant que bénévole et j'ai pas voulu repartir. Ça va faire un mois et demi. J'espère que ça s'arrêtera pas de suite. On reçoit 15 bénévoles tous les soirs qui s'inscrivent via la plateforme du réfectorio. Mon rôle, c'est chef de salle, de mettre les gens à l'aise. La porte, l'accueil, la cuisine, j'y vais un peu partout. Faire en sorte que tout se passe pour le mieux, sans stress, sans complications. On est entre 70 et 80 invités par soir. Des fois, ça coince. Voilà, ils sont toute la journée dehors à attendre, ils ont faim. C'est toujours un peu compliqué, mais on arrive à faire ce qu'il faut pour que ça se passe pour le mieux pour eux. En leur offrant une soirée, ne serait-ce que 2 heures, passées avec nous. Ils sont là pour passer un bon moment. Ça m'a apporté le fait de donner, d'avoir envie de donner aux autres, de me sentir utile. La chose la plus importante pour nous, c'est de pouvoir accueillir les gens dans un cadre digne et dans un cadre chaleureux. Là, on permet l'accueil des invités, on leur fournit des cartes. Quand il arrive, il donne sa carte à un bénévole et de voir le prénom l'afficher et de dire « Bienvenue Jean-Michel » plutôt que « Bienvenue numéro tant », c'est important pour nous. Et c'est pour ça qu'on est fiers que le numérique, les technologies puissent participer à ça. Beauty is an essential part of our project because through beauty we can fight and rebuild the dignity of the people. This is a bridge to connect people. You're there, up in the clouds, because the dream is there and you have to learn how to dream to change the world. All this has not to be something so special. We need to have 1,000 refettori all over the world. We're gonna fight waste and we're gonna feed the people in the world.